minute et une pantoufle plus tard, donc nous revoici pour la suite et bientôt fin de ce marathon fou furieux sans sauvegarde. Donc je vous rappelle le niveau, pack de soins, j'avais plus de mission de fusil chercheur, donc j'ai dû taper dans les packs de soins pendant que c'était batterie, ça a été une catastrophe. Ah, semi-conducteur diamant, ouais, mais si je trouve pas stock, ça va me servir. Voilà le problème. J'aurais été au stock avant l'excavatrice, j'aurais pu vendre ça, acheter un bon paquet de munitions comme j'avais besoin, éviter de consommer tout ça et on se serait retrouvé avec un inventaire de fou et une motivation alliée, mais une humeur un peu moins maussade. Donc c'est parti. Donc je vous rappelle, épisode 13, avec 2 balles de mon arme principale. On dézoome d'ailleurs. Allez, t'es gentil. Allez, 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 tu as une balle. Amène ton cul ici. Allez. Oh, c'est pas vrai. Attends, si j'ai un stock, c'est parfait. Si je n'ai pas le stock, je vous à peine imaginer. Parce que je vois pas me battre avec ça, que je n'ai pas amélioré à fond. En bas, il y a plein de blacks. J'ai stase, j'en suis où d'ailleurs en stase 3, putain, j'en ai consommé plein. Ah putain, le stock il va être juste en bas. Enfin, il va pas avoir stock justement. Putain, après excavatrice, ah, j'espère qu'il y en a un. Isaac, qu'est-ce que tu fabriques ? C'est un peu magnifique. Oh, un peu. Mon œil que je vais le faire. Enfin, pardon, c'est... Non, rien. C'est ta meilleure chance, Ellie. Tu as de quoi vivre, communiquer. Hey, t'es tiré d'affaire. Vive pour communiquer. Ça me fait mal, moi. Vive pour ennemi. Ah, ouais, non. Je l'ai laissé partir, Nicole. Mais toi, je peux te sauver. Donc, à cet épisode-là, nous avons deux passages difficiles. Laser et œil. Putain, non mais le laser, je vous raconte pas, il me fait une panique. Putain, j'ai la main qui en tremble. Tellement j'étais rageux hier. Je crois que si je le refaisais dessus au laser, je serais pas capable de refaire un marathon. Quoi? Tu veux partir toi aussi? Pas avant le bouton. Compte pas sur moi, Nikki. Nikki. Je sais bien que j'ai jamais voulu que tu partes. Il parle à sa drogue. Nous ne voulions pas tout ce qui s'est passé, Isaac. Isaac, touche-moi. N'ai pas pensé à ça, l'état d'esprit. Isaac, pitié. Donc, nous allons... Jamais. Nous ne faisions plus qu'un. Ok, si vous voyez un stock, vous allez pouvoir hurler pour moi. Je peux bien vous protéger, mais ça s'arrête là. Non, tu frises pas, hein, tu frises pas la console. Donc, j'ai peur pour ce laser. De ce qui ne sert à rien pour moi actuellement. Oh là là, j'ai de quoi vendre par contre. Et donc de quoi acheter. Ok, détonateur, j'en ai plein, ça va me servir. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc un chargeur complet, détonateur c'est bon, les trucs c'est bon. 1, 2, 3, 3. Vie j'en suis ouf, on va acheter 2 paquets de vie. Ouais je sais, ça fait grosse dépense en munitions, mais la suite elle est... La dernière fois je suis mort à 47 000 $, donc non. Donc voilà, munitions, ok. Place dans l'inventaire, ok. Arme chargée. Let's get party! Ah merde, j'ai un truc en tête mais j'arrive pas à le sortir. You know what that mean? Party! Est-ce que Future Child serait peut-être à devoir en faire face? Ah oui! On laisse pas s'écarter celui-là.
Putain, j'espère qu'il m'a juste fait un vomi comme d'habitude. Ouais. Donc. T'imaginez pas à quel point je suis en train de. D'arrêt cardiaque là. À quel point je suis en train d'arrêt cardiaque, ça veut rien dire. Donc, on prépare notre défense avant de passer. Ok, c'est complètement fail. Donc on improvise la défense. Bon, la stase a fait un bon truc alors que j'avais pas voulu. Pas la fermer. Parce que doit venir mon coloc. Non. Ça m'a l'air relativement terminé. Alors on n'oublie pas. Ça je crois que je l'aurais bien appris. Ok. Récupérons les munitions, je crois pas qu'on ait de taille à compte à rebours. Pour info, c'est la deuxième fois que je fais cette scène. D'habitude je passe en force. Mais comme je me souviens plus de comment passer en force et que j'ai dû faire plusieurs tentatives avant de pouvoir passer en force sans me faire tuer. Et que là, faire plusieurs tentatives moyen. Quand on fait gaffe qu'il reste pas un explosif, ouais non, d'ailleurs on va. On a pas mal de munitions, on va pas en demander trop. Hein. Juste ce qu'on voit là. Ce qu'on voit, ok. Oh mon dieu! Oh ce fail déjà! C'est bon, on pose la défense avant d'attaquer les ennemis. Ah, et merde! On improvise une défense. On n'oublie pas que ce n'est pas automatique ici. Oh là 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 là! Ouf! Alors j'espère que c'était l'électricité qui l'a fait venir. Ah oui, oui. On reste calme. C'est une scène de base. Ok, reste calme. Ok, on recharge nos armes. On profite un peu de la pause et des munitions. On s'apprête à porter le coup de poisse du siècle à pas mal de joueurs, à pas mal de personnes. Ouh, reste calme, Toto, reste calme. Y'a rien en plus là, pourquoi j'ai peur? Ah, la scène qui suit, elle est normale, sauf si on a un glandu. Bon, c'est vrai que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai été particulièrement con, mais bon là, c'est bon. Je sais pas où j'en suis au niveau de la vie, des munitions. Bon, munitions, c'est tranquille. Que j'en trouve encore. C'est juste cette séquence qui m'a l'air un peu dure et qu'on voit une horreur passer en bas. Enfin, une horreur. Qu'on voit 50 horreurs passer. Coup de poisse dans 3, 2, 1. Hey les gars, je crois que j'ai merdé. I just don't know what went wrong. Sauf que là, c'est dramatique. Derpy, just don't move. Alors regardez-moi cette horreur là. Ah il fait moi le malin là. Il faudrait que j'arrive à insérer ici le I just don't know what I want, mais le vrai justement que je dise, ouais, il faudrait que j'arrive à le faire. Espérons que j'y pense au montage. Donc on a pas mal de. En fait le problème c'est que c'est pareil, on a un réanimateur. Donc on a envie de lui foncer dessus, de le tuer, ce que j'ai fait hier, et oh là là, c'est une catastrophe monumentale. Donc, point d'arrivée. Ici, alors je sais plus où, mais il y en a un là tout près. Donc on se fait voir. En fait, tant qu'à faire. On va rester là pour l'instant, je suis pas sûr d'habitude. Ah voilà.
Normalement, ils vont passer par les fêtes. Voilà, vous les... Non. Si, je confirme. La porte s'ouvre pas, hein, non? Eh ben. Oh là là, suite gauche qui est plein de merde. Tire au pigeon. Non! Alors là, s'il y a le gros plein de merde qui arrive, c'est autant. C'est au. Il faut le choper avec ça. Ça, ça traverse leur défense. La question, c'est que je sais pas s'ils vont tous venir, parce qu'ils sont assez lents. Alors le problème aussi, c'est qu'il y a l'explosif. Voilà ce que j'aime pas. Quand ils font les choses qu'à moitié. Donc là, je sais pas s'il faut ouvrir la porte ou. T'es comme moi aussi. Ah ouais. Ah oui, ces conneries peuvent pas passer dans la... Merde, mais... Fous-toi de ma gueule. Mais non, je suis pas un lâche. Mais non! Juste plus prudent que les moyennes. Ok, s'il passe dans le mur, c'est nickel. Regardez-moi cette horreur. Les déplacements sont super bien faits. Oh, je vais pas me faire chier en fait, il est tout seul. Si vous avez aimé ce tir dans la tête par le dessus. Le voilà. Alors là, le problème, c'est si jamais il passe par la porte ou quand même de ce genre. Ah mon dieu, la situation détestable. S'il déboule par là au corps à corps. Ah, ok. Tant que je le repère. Voilà. Donc quand vous envoyez un, que vous sentez que vous pouvez la... Quand vous sentez. Quand vous êtes sûr, à 90%, que vous pouvez la voir sans qu'il charge. Allez-y. Ok. Avant qu'il pète la porte derrière moi et que je me retrouve face à ce qui vient de rentrer. Ah ouais, on est tranquille. Celui-là, comme il vient de mourir, il me donne son matos. On dézoome, pas de blague. Ah là, il y a la fille qui va débouler. Enfin, il y a la fille. Il y a la dope. Enfin, maintenant, c'est une vraie fille. On sent qu'il s'est shooté entre temps. J'en sais rien. C'est pour ça que je suis là. Fuck. Je vais te montrer. Bam, bam. Et là, elle se transforme en boss de fin. J'explose. Allez. Vous pouvez à peine vous imaginer à quel point je tremble à l'idée de ce qui approche. C'est bon, j'explose pas là, hein. C'est bon, c'est pas à la Resident Evil où le personnage il tombe en plusieurs morceaux. Ce serait une fin classe pour. Donc là, normalement, il n'y a rien qui arrive avant qu'on s'approche. Faites gaffe quand même au retour. Je crois qu'il y en a à gauche. Ah non, il se barre. Ouais, non. Ah si, je me souviens, il se barre d'ici. Ah, par contre, c'est après qu'on a une scène. Ah, voilà, Ah, oui. On a une scène un poil solide ici après. Parce que. Pas solide, mais renfermée, donc. J'ai récupéré deux détonateurs. Si ça pouvait l'avoir tué, ce serait parfait. Sinon, je gaspille mes munitions. On évite ce genre de blague. Bon. La première balle, c'était pour tester si ça allait tuer une balle dans le torse. Maintenant, je saurais que non. J'ai récupéré une munition dessus, c'était un normal. Enfin, normal, c'était un tout frais. Voilà, on y est. Donc, on pose des mines à droite.
sont pas censés être aussi rapides ici. On fait très gaffe à droite en fait. Ils vont débouler de la droite, mais je sais pas s'ils arrivent direct ou. Faites gaffe aux capacités de respawn derrière. Même dans, surtout dans ce genre de situation. Où on se dit qu'on a l'air à peu près peinard. Vous voyez le genre? Faites gaffe derrière hein. J'adore avoir raison. Ok. Pas perdu de vie. Dans le cas improbable où vous seriez en difficulté. on peut se replier à droite, je pense, en faisant gaffe car ils peuvent apparaître partout. Dans le cas probable, enfin je sais pas si c'est probable ou pas, mais dans le cas où l'explosif tomberait comme ça là sur vous, comme je vous avais dit tout à l'heure, enfin sur une autre, un autre épisode, vous stasez, vous arrachez le bras, vous vous posez pas de questions. Donc là vous voyez, hein, on regarde derrière tout le temps, surtout que c'est des petits qui arrivent de devant et c'est des gros qui arrivent derrière, donc c'est les gros qui vous tuent. Le mieux aurait été d'avoir le temps de passer des mines. Ah, on peut aussi se replier ici derrière. Mais le problème, c'est que passer en force, ça prend beaucoup de danger et qu'on se fait un peu acculer. Je suis en arrêt cardiaque là. Encore, toujours. Je vous raconte pas le nombre d'arrêts cardiaques que j'ai fait. On est où? Ok, rien. C'est bon, plus épisode d'avant, c'est plus j'ai besoin d'aller à la salle de bain. Je vais jusqu'au laser au moins. Sans pause. Ah oui! D'ailleurs, ouais, non, ça sent la blague. Alors, quand vous sortirez, il y en aurait un à droite, les fameux qui posent leurs mains, qui peuvent vous choper d'ailleurs. Putain, bon, d'accord. Posez 3 détonateurs ici. La dernière fois, il n'a eu aucun effet. Enfin, j'en avais posé 2. On va voir avec 3. Sachant que ça vous tue immédiatement en 3, donc pas de blague. Je dis ça, mais il n'y a personne qui. Il va suivre exactement les ordres, je pense. Je parle tout seul, mais c'est un moyen de me rassurer. Voilà, on les entend. La musique, ils déclenchent un peu tard. Ah, il tombe! Enfin, je crois. Ouais, il tombe. Donc, ce genre de créature, c'est beaucoup, beaucoup de munitions. Surtout que là, vous avez vu, avec le fusil d'assaut, j'ai pas une grosse puissance de feu. Alors, ce que j'espère, c'est que la tête est morte. Je la vois pas. Ça me fait chier d'ouvrir le plan et qu'elle me saute dessus. Tu vois, le mec, il ouvre le plan et il y a une tête qui sort du plan. Ah! Et le plan se referme et il finit la tête écrasée. Ce serait une fin assez ignoble. Ok. Il serait temps d'améliorer ce machin. Oh le... Ah! Putain, si jamais il y a un... Ah bah non, normalement il est derrière. Donc Ok, on y est les gens. Salle des lasers. Ah non, pas encore. Non, on a d'abord une salle des poulets. Parfait. Je sais pas trop ce que c'est comme objet, mais ça remplira son rôle. Il y a un endroit où ils arrivent par le dessus, je crois que c'est là. Ah, à moins que le premier était scripté, ça devait être ça.
Non, c'est une chaise. Donc je vais pas déclencher leur arrivée, ils vont me faire chier. Bon bah je pense que je vais déclencher leur arrivée. C'est bien, c'est qu'on peut les compter comme ça. Vous avez vu, il y en a 5. Non d'accord, je suis pas un compte réseau. On ne laisse pas s'approcher toujours hein. Oh putain, coupure vidéo, non. Ok les gens, merci la blague de la carte. Merci à Stas aussi d'ailleurs. D'ailleurs plus merci à Stas que la carte. Putain, elle m'a pas touché. Elle m'a pas touché. Football. Apparemment, il y a un autre. Tant qu'il n'y a pas le hurleur. Enfin, le explosif. Ça devrait suffire. À part qu'il y a un bruit vraiment relou. Style, je vais te bouffer. Putain, c'est le cas. Tu aurais dû raconter n'importe quoi. Désolé si les commentaires deviennent un peu n'importe quoi. Je vous l'ai dit, hein, c'est... Tant que j'aurais pas traversé la salle des lasers, je serais en mode débile. Mortal, ne dis pas que je suis toujours en mode débile. Il va pas en rater une. Je sens que les pouces verts vont tomber. Donc surtout, on évite de se battre là-dessus, hein. Et le jeu, on évite les bruits débiles quand je dis qu'il faut pas se battre dessus. Putain, il y a un... J'entends un crasher. Enfin, une mine. Je la vois pas. J'entends très près. Elle doit être derrière le mur, je pense, mais... Et flippe, quoi. J'ai entendu le bruit lointain, mais... Ah oui, c'est vrai. En mode flip quand je transporte ce genre de truc. Surtout avec des bruits à la con derrière. Oh ce bruit. Ouais ce bruit aussi d'ailleurs. Et entre les ouins et les blablabla. Porte fermée. Merci. Ok. On évite de s'électrifier là-dessus, hein. Tant qu'à faire, je sais pas si on peut, mais... Ah, on s'approche. Ouais. C'est la première fois dans un jeu que j'ai envie de vomir. Pas parce que c'est dur, mais parce que je suis ultra stressé. Merci de ce réconfort, mais ça ira. Vous pouvez à peine imaginer à quel point je suis en mode stress. Ah, j'en ai plus mal. Ah, que ouais, bon, j'oublie que j'ai un chargeur en plein. Hein, bon. La dernière fois, en fait, j'ai percuté le poteau qui tourne, pas le laser. Non, non. Oh, je suis pas bien là. Pourquoi il s'arrête comme ça lui? On a 3 à faire, 3. C'est pas difficile. Je me suis fait tuer qu'une seule fois, c'est quand j'ai essayé de passer trop vite. Oh mon dieu. La... Ma main qui tremble, ok, ok. Je fais une mini pause. Je vais faire un coup de déstress. Non, faut pas. Puis on en est où? Puis on est bon. Oh mon dieu!
Ah, j'ai pas envie. Entre y aller trop tôt parce que je suis stressé et y aller trop tard parce que je suis stressé. Ah là, je vous raconte pas à quel point j'ai pas envie d'y aller pour 3 fois en plus. On peut y se taser, mais ça marche à peine, ça y ralentit une seconde. Et le temps d'utiliser la stase, c'est du temps en trop. Oh là là, je suis désolé les gars, je suis désolé, là, vous pouvez à peine imaginer. C'est comme quand on a le une corde élastique là. En fait, c'est surtout que ma dernière tentative, je suis mort ici. Avec un inventaire équivalent. Allez, 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 plus j'attends, plus je me fais avoir. On attend le prochain. Allez, le prochain. On s'est pas tué par avoir de conneries. J'y vais trop tôt ou trop tard. Je sais même pas si j'étais bon. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'aller trop tôt. Quand je suis mort. Désolé les gars, je suis vraiment. Ok, celui-là. Non, pas celui-là. Encore. Ah ! Alors, je sais. Je suis rationnel. Je suis rationnel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 1. Attendez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ah, je suis désolé les gens, j'espère que je vais pas mourir ici, ça me ferait vraiment chier. Je pense que j'étais trop tard là. Je veux pas trop m'accrocher non plus. Alors, je sais pas à quel niveau j'étais, mais ça, à mon avis, c'était un peu juste. Plus qu'un, j'en ai fait les 2 tirs. Fout de ma gueule lui. Oh là là, c'est là que je suis mort la dernière fois. Allez. 1, 2, 3. On se rapproche un peu, pas trop. Putain, je suis trop près de l'écran, ça me fait une impression. Ah, je suis bon. On sort pas, non. Smile. Wouh! Mais les gens, là je me tais, mais je m'écouterai, j'hurlerai, et mes colocataires couperaient le courant, donc c'est pour ça que je ne hurle pas. Oh la vache, je suis soulagé! Je suis, mais soulagé d'une force. Bon, maintenant, il va falloir que je fasse gaffe, je suis plus du tout d'humeur à combattre. Je suis complètement paralysé. On va rester calme. Ah, je suis content. Mais content. Pareil pour l'œil, mais l'œil il est moins aléatoire, j'ai l'impression. Oh la vache! Oh! Ok, va falloir que je me calme vraiment là. J'ai la tête qui tourne. J'ai fini, c'est bon, c'est bien, mais c'est pas encore le boss de fin. Allez, on se calme. On se calme, je suis content. Content! Orgasme d'être spasmique. Ce bruit me paraît gentil maintenant. Ah oui, c'est vrai, il y a du bruit affreux, mais il se passe rien. Je suis content. Je vous raconte pas, j'ai des fourmis dans les jambes, dans les bras, partout. C'est juste magnifique. Y a pas des blagues par là?
Ça me fait juste essayer de pas avoir le stock. Je pourrais avoir fait dans mon froc, je serais quand même content. Ah oh, désolé les gens, je vais avoir c'est l'air stupide, mais je vous promets, c'était vraiment un passage que je redoutais. Plus que tout. Oh, c'est dans ce genre de situation que... Ok, attendez les gars, attendez. Ok les gars, je fais une pause, je vais aux salles de bain, je vais me rafraîchir un peu le visage, on est pour une minute, je sais que la scène suivante est affreuse. Pareil, je la faisais en forcing. Ok, je suis pas du tout dans l'ambiance pour faire affronter un combat pareil. Je reviens, faut que je me calme, j'en ai pour 2 minutes. La pause est mise en vrai. Ok, me revoilà. Putain, en plus, j'ai pensé, ça fait 12 heures que j'ai pas mangé, je tourne au Nestlé. Alors... Donc je suis chaud par contre, je suis désolé mais je vais sauvegarder. Non ça fait trop longtemps. Donc c'est... Je serais pas capable donc. Je la ferai quand même une fois. Mais non mais vraiment, vous m'avez regardé, vous commencez à me connaître, vous êtes quand même pas tombé dedans. C'est juste pour vous montrer qu'il me reste 3 sauvegardes et que jamais je ne sauvegarderai. Non. Donc nous sommes partis, j'ai Pinky avec moi, c'est bon, je suis chaud. Nous allons repasser les règles de base à la survie. Donc, tenue niveau 4, plein de sang d'ailleurs au passage. Munitions, ok, nous sommes à peu près bons. Détonateur, ok. Alors, première règle. Alors, règle numéro 1, les ennemis les plus forts en premier, les explosifs avant tout. Ensuite, donc, nous rentrons. Nous balançons des détonateurs aux emplacements stratégiques. Nous avançons lentement, pas de passage en force, c'est le coup de se faire avoir. Au pire, on avance, on recule, comme ça on redéclenche des vagues. Nous avons 3 étages à traverser avec à chaque fois des ennemis qui repopent à tous les étages. Je peux revenir en arrière d'ailleurs, c'est une excellente... Qu'est-ce qu'on a ici? On a des points de respawn. Non, cette salle-là est sécurisée. Malgré ce que dit le nombre de cadavres par terre. Et ce stock-là, mais j'aurais bien voulu l'ouvrir. Ok les amis, nous sommes donc partis pour... Cauchemar. Donc, Staz, tapez du pied en cas de problème. On reste calme. Détonateur, j'en ai 5 à placer. 1. Alors, attends, point d'entrée, il y en a partout. Donc, 1 là. 1 là. 2 là. Merde, je peux pas. 1 là. Non, 1 là-bas. 1 là-bas. 1 là. Et 2 à droite, vu que j'ai un angle de tir moins visible. Point d'entrée proche. Pas de point d'entrée proche. Staz, ah, check-up inventaire. Bombarder la touche B, ok. Staz, ok. Munitions, ok. Donc, nous commençons par poser des mines. Ah, désolé pour l'écho. Oh putain, cette scène-là qui de l'écho, ça aurait été l'enfer. J'ai fait éteindre mon PC. Non. Donc, mine 2. Fail. Bon, j'ai failli mes mines, par contre, apparemment, les ennemis n'ont pas apparu. Donc c'était des bébés, c'est ce qui me faisait peur. Mine gauche, check. Mine droite. No check. Désolé pour le temps, mais je préfère vraiment assurer. Mine droite. Check. Mine de sécurité gauche. Check. Mine de sécurité droite renforcée. Check. Ce qui nous permet de faire mine de gauche. Check. Ok, 5 mines en place, placées. Sniper, ok. Staz, ok. Cadavre gênant, ok. Désolé pour le temps, les amis. Est-ce que nous allons vivre 4 minutes de cauchemar suivies d'une fin abominable ou 6 minutes d'action intensive et un final époustouflant? Ouais, bon, va falloir que j'absorbe. C'est juste au cas où. Donc, j'avance, je replace mes mines. J'avance, je recule, je replace mes mines. On avance, on recule, on replace mes mines. Explosif en priorité.
On replace les mines avant que ça arrive. Mine de sécurité droite. Non suffisante. Crasher. Ah, Stase. Sécurité droite, ok. Stase. Munition nécessaire. Munition. Raté. Explosif. Détonateur. Deuxième vague de détonateur. Ok, check. Détonateur. Check. Oh là là, bombardé bouton B. Putain, quel... Ah. Désolé. Bon, séquence terminée. Désamorçage. Ok. Munition. Ok. Récupération. Évacuation des objets. Ah, récupération des munitions. Rechargement des armes. Check. Tout n'est qu'histoire, tout n'est qu'organisation. Ok. Bien. Deuxième approche. Point de repli d'urgence. Go, droit, check. Point d'attaque éloigné. Mission lointaine repérée, check. Équipement de survie, ok. Repli. Crasher dangereux, appuie sur B, check. Ennemi tué. Ennemi tué étrange là-bas. Peut-être ennemi vivant. Munition. Désolé, je suis en mode robot. Bien. Munition, ok. Ah, non, ok. Vu la nature des nouveaux ennemis, se battre au fusil d'assaut pour éviter les... le gaspillage des balles qui commence à se faire rare de mon arme principale. Avance lente, récupération de munitions d'urgence, ok. Munition de fusil d'assaut, ok. Avance lente. Avance lente. Récupération de munitions. Ok. Ok. Tentative d'approche de la porte. Tentative de passage de la porte. Ok, récupération des mines restantes. Bien. C'était peut-être pas héroïque, mais c'était efficace. Récupération des derniers matériels. Test fi... Ok. Sécurité finale. Mine. Check. On attente. On attend le mouvement. Au moins, ça fait ça de moins pour la vague suivante. Ok, ok. À part que beaucoup de balles. Équipement repéré de survie en dessous. Check. Cible zone dangereuse repérée en bas. Mais en théorie seule. Ok, nouvelle tentative de passage. Passage lent. Désamorçage, ok. B, ok. Munition. Dernière chance, ok. Passage de la porte. Ok. Sécurisation de la zone. Non, ok. Munitions repérées. Ok. Zone arrière dangereuse. Gros, gros risque. Au cas où vous n'aurez pas tué tout le monde, il se peut qu'il y en a qui déboule dans votre dos. Donc j'ai eu la chance qu'elle n'a pas eu. Ah, munitions, ok. Bien. Donc, nous avons donc... un accès ici dangereux. Un accès là où dangereux. Je vais sécuriser celui qui est là. Ok, ennemi simple. Ne pas gaspiller les munitions. Et je vais sécuriser l'arrière au cas où. Énergie mégro PK, on s'en balance. Munitions, 8. Une seule mine suffira.
Mine, ok. Zone dangereuse ici. Ok, prochaine zone, munitions. Check, munitions, ouais. Quantité de munitions dans le stock, ok. Inventaire, point de vie. Ok, ok. Ok, ok. Beaucoup de zones d'attaque. Privilégier ici le... Alors, soit on court là-bas et on se défend, soit on se replie ici, mais on se trouvera entouré, mais ils arriveront lentement. Et si il y a l'explosif, on sera dans une merde noire. Je vais peut-être privilégier l'attaque là-bas. Sauf si je suis pris par le temps. Ah merde. J'en étais sûr. Ok. Blague. Je ne sais pas si on aura autant, mais je déteste l'endroit du milieu parce que je m'y suis jamais battu. Bien. Ok. Munition, ok. Ok, on va y aller. On se bat avec le fusil chasseur. Alors ça c'est dangereux, c'est des explosifs. Fais confiance à la mine de gauche. Mine. Mission de secours. Ok. Zone lente. Il se peut qu'ils arrivent lentement parce qu'on est censé être en plein combat. Bien. Nous allons partir à droite. Donc je couvre le côté gauche et je vais couvrir l'arrière. Combien de balles? 7, un chargeur. On recharge tout. Bien, on se sent pas trop mal. Ok. Oh, j'ai peur de cet accès. Il y en a qui déboule par là. Ah, il était arrivé par les côtés. Je sais pas si vous avez repéré. C'est pour ça que ma mine s'est déclenchée et qu'elle lui a pas fait de dégâts. Ok. Tentative d'approche numéro 2. Ça a pas l'air mal. Pas d'accès ici, je pourrais me défendre si besoin. Je crois que c'est bon. Tentative de course furieuse. Ok. Plaque de soins, munitions, ok. Bon, c'est pas maintenant qu'ils décident à attaquer. Même si normalement ils arriveraient un par un. Bien, zone nettoyée. Prochaine zone dangereuse, brute noire. Seul. Donc ennemi scripté, je préfère. Ouais, c'est ça, c'est lui. J'aurai assez de balles pour l'avoir. Munition, ok, à fond.
Ok, à fond, ok, à fond. Désolé les gars, c'est pas super intéressant cette scène, mais c'est une des scènes difficiles que j'avais oubliée. J'en ai un très mauvais souvenir. Comme beaucoup de scènes dans Dead Space 2, vous allez me dire. J'écoute ce que je sais, j'ai jamais écouté ça. J'ai pas eu le temps. Ok, je suis déjà écouté. Ok, Stas on en est où? Vie, ok, je pense que je peux être tué en un coup par cette horreur. Donc on va pas prendre trop de risques. Je vais surtout une chose là-bas qui me plaît, mais que je suis trop loin pour prendre. Attends. Bien! Eh putain, il arrive quand ce con? J'ai peur quand au moins il déclenche la mine. Oh quoi, ce serait pas plus mal en même temps. Ah, je peux me dire que ce que j'aurais peur, c'est qu'il... Hein? Il est tombé du dessus. Ok. Bon, vu que je l'ai raté et que j'ai de profil, on va en rebalancer une. Quand il sera de face. Mais merde, je sais pas où tirer. Dans les jambes à la limite. Ah! 2, 3, 1, 2, 3, 4. On a plus de balles. Ok, on a pu faire en détail, mais. Ok, il est mort. C'est bien ce qu'on dit, hein. Recépé, petite... Désolé pour cette blague. Bien, nous venons de passer une scène un peu compliquée du jeu. Ruby. Que ça? Alors, je ne sais pas ce qu'il y a après. Si c'est l'œil, je vais encore hurler. Si je parviens à l'œil, en théorie, j'atteindrai le boss de fin. Je sais qu'il y a un cible entre deux, mais avec le fusil chercheur, si j'ai des munitions, je pète les pieds rapidement. Ouais. Alors, hein, je pense que vous l'aurez deviné, on ne passe pas en force sur l'électricité. Pas avec la brute. Le mieux étant de pouvoir toucher avec la stase pure. Ça commence à être bon, les amis. Les amis, il est folleur. Putain, je sais pas si vous êtes aussi stressé que moi. Non, je pense pas. Après, vous, après tout, vous, c'est des parties plus courtes. J'ai mis à droite, il y en a plein, ouais. Ah, oh putain, on y est à l'œil. Y'a pas un truc à récupérer là? Ah non, ils vont pas me faire le coup de balancer direct l'invincible sans stock. Je t'en foutrais. Je t'en foutrais du stock. Oh, fais chier. Bon, ouais, mais le plan, je suis même pas sûr que. Comment on fait pour tomber à genoux? Oh, on peut pas, dommage. Bon, bah, je crois que c'est l'œil après. Et stress version 2. On peut pas staser la machine. Ou staser le perso, on peut encore mieux. Alors oui. Je ne sais pas si j'aurai le temps de retourner un stock avant la fin du jeu. Si, je crois qu'il y a un 14e épisode. Ce serait tentant de prendre la main. Ok, 200 balles. Ça en est bon. Détonateur, on va en prendre un. Point de vie, on en est où? Point de vie. Point de force. Et on garde le reste pour les munitions au cas où. Sachant que c'était peut-être le dernier point de stock. En tout cas, je sais que c'est le dernier avant l'œil. Alors, j'espère que ce sera pas mon dernier. Putain, vu comment je tremble, si je devais tenir l'aiguille à la main, ça marcherait jamais. Bien. Bien.
Bien, que ton plasma qui augmente un peu, un poil, pas assez. Donc juste pour vous montrer, hein, 3 sauvegardes toujours, on est à la fin du jeu, et pourtant je suis toujours là. Ah, c'est con, 45 balles, 368, 72, 8. Ah, j'hésiterais presque à prendre 15 balles de plus, 60 balles. Inventaire, on est comment? Ah, ça va être juste. On va partir du principe qu'on arrive au boss de fin, après, enfin qu'il y a un boss de stock encore, qu'il y a un stock encore. Là, ça a été balle pour l'invincible. Ah, stase, j'en suis où dans la stase? 9, 6, ok. Je sais pas ce qu'il met comme dégâts l'invincible. 56 minutes de vidéo, désolé les gars, c'est un peu long, mais c'est l'épisode qui veut ça. Ouais, d'accord, il y a plein de trucs. Il y a l'épisode, il y a le. Il y a le smile, smile, smile. Cette penée. J'aimerais bien savoir ce qui se passe en fait, en vrai. Bien. C'est pas comme si c'est, je vous avais dit 50 fois que j'aimais pas les bons. Amis, est-ce que la vidéo ça va s'arrêter là? Si la vidéo s'arrête là, il est possible que je ne sois pas capable de le refaire. Hein. J'avais déjà dit sur une ancienne. C'est un peu hasardeux. La machine active les parties du cerveau où sont stockés les corps. Mais en quoi est-ce une menace? De quoi ont-ils peur? Calme! Si tu risques cette scène là, je vais jusqu'au boss de fin. Quasiment sûr. Les combats, ça me connaît. Les scènes aléatoires, bah c'est aléatoire. Ça va être douloureux. Ouais, j'espère que ça se fera pas trop. Avec ce vieux bruit à la con, on répète, c'est en silencieux en plus. Étape 2. Ah, fais chier. Les vis se font. Ah, qu'on goûte bien le zèle. Quand l'aiguille prend soin d'un mec. Désolé les gars, je vais être un peu lent. Je sais qu'à droite il y a la distance, mais je sais pas à quel moment la partie mortelle se déclenche. Calme, calme. Isaac à 79. Ouais, je suis à 85. C'est, ouais, c'est le genre de blague que je peux faire à la fin. Arrête! Je crois que j'ai de sang en tout cas. Et pourquoi c'est une machine qui enfonce la ligne complètement quand elle se foire? C'est débile! Vous imaginez en vrai? Il y aurait des plaintes! Putain, si seulement était scripté cette scène. Ok, du calme, du calme. Ok, le va partir, le va partir.
Je vise quand je suis dans le noir, comme ça je suis sûr de... 3-2. 2-7. 2-2. Reviens. Putain, non, pas de balles, j'attends qu'il revienne bien. Ah, il est un peu scripté, j'arrive à voir là, le script. J'attends qu'il revienne. Il va partir à gauche et après... J'attends la prochaine, j'attends la prochaine. Encore un clic et c'est bon. Oh oh. Mon collègue va se dire des bruits, des trucs bizarres avec le bruit que je fais. Oh, c'est dégueulasse. Enfin, c'est moins dégueulasse que... Oh. Oh, quoique, je pense que la scène de du truc qui s'enfonce dans l'œil, c'est moins dégueulasse que ça. Bien. Donc, bon, on n'est pas en vacances quand même, hein. On va avoir une petite blagounette maintenant. Et là, il vient de se faire une piqûre de dope direct dans le cerveau pour un maximum de trip. Bon. Épisode 14, vous savez ce que ça veut dire? Alors, je crois qu'il faut... Alors, je vais quand même mettre en note. Bien. Ah, je sais que vous hurlez non. Je sais que vous hurlez non. Mais vous avez bien vu qu'à moi, l'épisode 4. Si je meurs dans 10 secondes, ce serait con quand même. Je vais juste lui arracher une jambe au cas où. Voilà. Au moins, comme ça, la vidéo suivante ne durera pas 10 secondes où on voit le charger m'écraser la crâne par terre. Et on voit la dope qui se répand. Donc, épisode 14. Alors les amis, je suis très très content. C'est bon, c'est la bonne. Les deux scènes dangereuses. Celle de l'œil, que j'ai plutôt bien réussi finalement. Celle des lasers qui m'a... Je pense que vous l'avez senti, mais vous avez même pas pu imaginer à quel point j'étais stressé par cette scène et combien j'étais stressé de la faire. Et à quel point j'étais soulagé quand je l'ai terminé. Donc à présent, bah, vous savez ce qui va se passer. Cet invincible là, suivi du boss de fin. Donc voilà. Donc je m'arrête là. Et donc j'arrête la vidéo, j'arrête le son, laissez des commentaires. Normalement là ça devrait, si jamais la série a fonctionné, ça devrait fuser puisque j'ai quand même été dégueulasse de vous arrêter là. Oui, je sais. Donc voilà, laissez des commentaires, je suis vraiment heureux là, c'est la fin. Si je meurs dans cette scène là, je pense que je le referai pas en entier. Parce que je vous dis, hein, ça fait 6, 7, 8, 8 heures que je suis dessus. Donc voilà, hein, ça commence à peser. Si je mourrais maintenant, il faudrait que je refasse tout, c'est un jeu énorme. Mais les scènes comme le laser, je pense pas être capable de le refaire. Je vous dis, c'est un jeu, mais quand on a joué 9 heures et qu'on joue tout sur un laser, enfin 3 fois sur un laser, c'est affreux. Donc, on va s'arrêter là. Demain, ou dans 2 jours. Demain, ou dans 2 jours. Ça dépend des commentaires. À plus les gens. Et merci d'être là pour ceux qui sont là et... Ah là là, c'est génial, à plus. Et ouais, désolé, c'est un épisode qui a duré longtemps et qui a bouffé du poney en plein milieu. Donc voilà. Merci à tous et à plus. Juste avant, bas, haut, bas, haut. Ok, vous. Ciao, bonsoir.